Moi, je trouve que le vin, aujourd'hui, s'il y a des problèmes dans la commercialisation du vin, c'est qu'aussi on a éloigné le consommateur du vin et de son plaisir. Et chaque fois, on sacralise le vin avec des accords mets-vins, avec des sommeliers, avec des mots qui peuvent paraître abscons pour nombre de consommateurs. On fait une cuvée de Côte-du-Rhône primeur. Et moi, le côté festif du primeur, de ce troisième jeudi de novembre, des copains qui se retrouvent dans un bar à vin pour partager une planche, pour boire un coup, pour se changer les idées. Après, on rentre dans l'automne, donc des moments un peu plus frais, etc. Et donc cette cuvée de primeur, je la voulais fraîche, je la voulais pétillante, je la voulais dynamique. On a fait travailler une créatrice qui est dans le Beaujolais, qui nous a fait l'étiquette à partir d'un tableau. Et donc c'est des vins qu'on va récolter en tout début de vendange, donc vinifiés sans soufre et sans levure indigène, enfin avec des levures indigènes, excusez-moi. Donc des cuvaisons assez courtes pour avoir du fruit, pas trop de masse tannique. Et c'est des vins qui sont mis en bouteille très tôt, hein. On est fin octobre, début novembre. Juste une filtration, bien entendu, parce que les vins sinon sont bourrus. Donc une filtration, mais sinon il y a zéro intrant. Et voilà, c'est des vins de bonheur, de partage, des vins à siroter, quoi.